Hey, salut tout le monde, c'est Dahlia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo pour le Glitch Grenat. Et aujourd'hui, notre objectif va être de débloquer les îles événementielles de Mew et de Deoxys, donc l'île Watten ainsi que l'île Aurore. Dans le dernier épisode, eh bien, nous avons récupéré tout simplement un Pokémon Glitch que vous voyez dans cette boîte, ainsi que le ticket Aurora et la vieille carte qui nous permettra d'utiliser tout simplement le ferry, ainsi d'aller dans les îles. Mais cependant, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous ne pouvez pas les utiliser puisqu'il faut déverrouiller l'événement dans le jeu, tout simplement. Pour ce faire aujourd'hui, nous avons plusieurs prérequis tout simplement à faire. Donc avant de faire le glitch, il faudra bien avoir les prérequis que je vais vous dire, sinon ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment écouter la vidéo en entier, hein, sinon vous allez foirer. Donc dans un premier temps, il faudra avoir la carte dresseur améliorée, donc se rendre tout simplement à la zone de combat et l'obtenir par la réceptionniste. Donc c'est ça la tour de combat, enfin le pass zone, hein, tout simplement. Voilà. Secondement, vous devez aller dans la tour dresseur qui se trouve au nord de Lavandia. Si vous n'y êtes jamais allé, il suffit d'y rentrer et de ressortir. Et voilà. Donc voilà, la tour de combat se trouve ici, hein, mon dresseur. Et voilà, vous rentrez, vous sortez, et en fait, ça va tout simplement modifier quelques valeurs dans votre jeu qui vous permettront de faire le glitch que nous allons faire tout à l'heure. Ensuite, nous devons aller voir Annette et récupérer sa poupée qu'elle va nous donner. Donc c'est à Aotekia. Si jamais vous n'avez pas fait son event, il faudra le faire. Donc tout simplement, nous allons aller voir Annette. Hein. Moi je ne l'ai pas fait, hein. Vous allez le voir. Sur ce jeu est vraiment tout frais, il n'y a rien de fait. Donc c'est pour ça que c'est parfait. Donc on parle à Annette tout simplement, et après elle va retourner dans sa maison, et nous allons tout simplement la revoir dans sa maison pour récupérer son cadeau. Voilà, c'est très important, il faut aller récupérer son cadeau également, hein. Donc la petite poupée qu'elle va nous donner. Voilà, on va lui parler, et là elle va nous donner tout simplement une petite poképoupée. Voilà, la poképoupée, Ninupio, parfait. Dès que c'est fait, on peut ressortir, on passe au prérequis suivant. Ensuite, prérequis suivant, il faudra battre un dresseur. Donc prenez un Pokémon qui peut tout simplement défoncer un dresseur. Hein. Donc moi je vais prendre mon petit fameux Rayquaza. Voilà, pour faire le combat. Hop, c'est parti. Voilà. Impeccable. Et donc ce dresseur se trouve sur la gauche de Pacifiville. Donc il faudra accéder à Pacifiville. Il faudra donc faire surf. Donc il faudra faire surf. Voilà, j'ai appris surf à Moriquaza. Et le dresseur donc se trouve sur une petite îlot. Et il a tout simplement... Ce dresseur là, tout simplement. Il a 6 Pokémon. Hein, donc Magikarp et Léviator. Ouais. Normalement ça s'appelle Pêcheur Fabien. Exact. Et vous tuez tout simplement tous ces Pokémon. Et voilà. Voilà, dès que c'est fait, on peut passer au prérequis suivant. Le prérequis suivant, ça va être tout simplement si vous êtes allé dans un lieu précis. Voilà, tout simplement. Donc, si vous n'êtes pas allé déjà à l'île lointaine, ou à la grotte marine, ou à la grotte Terra, la tour Mirage, la grotte Métamo, la voie du désert, la grotte Atelier, tout simplement, il faudra se rendre aller à la grotte marine. Voilà. Si jamais vous êtes déjà allé dans un de ces lieux, vous pouvez tout simplement passer cette étape. Donc moi, étant donné que je n'ai absolument rien fait sur ce jeu, je vais me rendre à la grotte marine. Pour connaître l'emplacement de la grotte marine, le plus simple, c'est d'aller au centre météo et de demander aux chercheurs. Vous rendez au centre météo et vous allez donc à l'étage et vous demandez tout simplement aux chercheurs qui se trouvent... sur un PC, il va vous dire que la grotte marine se trouve à telle route ou tel chenal. Voilà. Bonjour, j'étudie les conditions. Et voilà, au chenal 127, donc on va y aller. Et on va trouver la grotte marine. Donc généralement, il faut plonger pour pouvoir y accéder. Donc prenez un Pokémon avec plongée.
Ouais, donc si vous êtes sur le bon chemin, normalement la grotte marine tout simplement va se trouver dans une petite grotte quand vous allez plonger et vous remonter en haut et vous allez arriver tout simplement dans la grotte marine. Alors vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller affronter Kyogre, hein, tout simplement parce que ici il se trouve tout simplement Kyogre au niveau 70, hein. Voilà, il est là. Mais vous n'avez pas besoin de le capturer, de l'affronter ou quoi que ce soit. C'est juste de s'y rendre qui nous importe ici. Ensuite, vous pouvez tout simplement ressortir. Et on passe tout simplement au prérequis suivant. Le prérequis suivant, ça va être le prérequis le plus difficile, je pense, et plus long pour vous. Puisqu'il faudra eh bien, obtenir un symbole de la zone de combat. Alors, vous avez deux symboles possibles. Vous avez le symbole d'argent de la pyramide ou le symbole d'or. Donc voilà, hein, tout simplement, si vous êtes motivé, vous pouvez aller jusqu'au symbole d'or, mais il vous faudra au minimum le symbole d'argent. Donc bon, ça va, hein. Généralement, la pyramide de combat, pour avoir le premier symbole, ça prendra pas très longtemps. Mais si jamais, vous pouvez tout simplement faire le glitch grenat pour obtenir un Pokémon avec une attaque qui permet de fuir les combats. Et comme ça, eh bien, vous allez être déclaré à chaque fois vainqueur dans les étages de la zone de combat avec eh bien, cette attaque glitchée. Et tout simplement contre le leader, il faudra quand même le tuer, enfin le combattre tout quoi, et gagner le combat. Donc vous pouvez prendre un autre Pokémon avec une attaque qui permet d'OHKO les Pokémon également, qu'on a vu eh bien, dans la vidéo numéro 2. Alors, autre prérequis, c'est d'avoir également le Whelmer à eau. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais, puisqu'il va falloir réveiller Simularve et aller donc dans la grotte où il n'y a que des Colorior. Alors, je ne sais plus c'est qui le donne. Moi, je ne l'ai pas. Je n'ai jamais fait ce truc. Voilà, le sceau Whelmer, donc voilà, récupérer le sceau Whelmer et aller réveiller du coup notre petit Simularbe. Puisque du coup, il faudra pouvoir passer et aller donc dans la grotte atelier et combattre le Simularbe puisque nous avons besoin d'aller à la grotte atelier ensuite. Donc voilà, hop, dès qu'il est KO, on peut passer à autre chose. Voilà, donc dès que c'est fait, eh bien, vous allez devoir constituer une équipe avec le Pokémon Glitch. Bien évidemment, et mettre KO tous les Pokémon. Donc, on se retrouve dès que j'ai mis KO tous les Pokémon. Donc, dès que vos Pokémon sont KO, vous pouvez soit mettre KO eh bien, votre Branette avec la baie Grenat et du coup en faisant malédiction pour avoir un point de vie, soit faire un DK Switch, hein, tout simplement. Ça fonctionne également. Et nous allons nous rendre eh bien, à Poivre Sel, donc dans le centre Pokémon de Poivre Sel. Donc on va utiliser vol. Nous allons donc aller au club des fans de Pokémon. Et nous allons nous rendre devant ce PNJ, mais ne lui parlez surtout pas actuellement, puisque nous allons sauvegarder ici pour tout simplement resetter en cas de problème. Voilà. Et du coup, dès que c'est fait, vous allez donc mettre votre équipe eh bien, de façon à ce que vous ayez eh bien, le Pokémon Glitch en première position. Et vous allez parler donc à ce dresseur. Donc il va lire en fait le nom d'espèce du Pokémon Glitch, ce qui va permettre en fait d'avoir eh bien, une ceinture de Pokémon de plus de 180 Pokémon, un truc comme ça. Et vous n'avez pas besoin de lui donner un avis. Mais en tout cas, actuellement, eh bien, vous n'avez pas que 4 Pokémon dans votre équipe, mais vous en avez beaucoup plus. Et du coup, grâce à ça, en fait, nous allons envoyer des Pokémon au combat jusqu'à eh bien, voir le Pokémon qui correspond en fait eh bien, aux identifiants de l'île de Mew et de Deoxys. Et donc pour ce faire, nous allons nous rendre eh bien, à la zone de combat et combattre des Colorior, du coup, comme vous avez compris. Donc on peut utiliser non de repousse, ça ne servira à rien vu que les Pokémon ici sont plus haut niveau. Mais de toute façon nous allons donc aller à la grotte atelier. Et du coup il faut hein, bien sûr surf pour pouvoir s'y rendre. Donc hop. Pensez bien à avoir des Kuskiti puisque vous ne pouvez pas fuir.
Ouais, il vous faudra forcément des Q-Skitty et il vous faudra également des rappels. Puisque pour ne pas être déclaré KO, il faudra ranimer un Pokémon de votre équipe. Voilà, donc pensez à avoir un rappel également. Et donc on va se rendre tout simplement à la grotte Atelier. Qui se trouve un peu plus vers la gauche. Voilà. Voilà, dès que vous êtes à la grotte Atelier, eh bien nous allons faire des combats. Donc sauvegardez pas, hein. Nous allons faire des combats jusqu'à trouver un Pokémon qui doit correspondre à ceci. Donc, si vous n'êtes jamais allé au Roc Nombril, donc c'est l'île événementielle de Lugia et Ho-Oh, donc si jamais vous êtes allé, votre Pokémon, donc votre mauvais œuf, doit avoir 20 points de vie max. Si vous êtes allé eh bien, au Roc Nombril en utilisant un code de téléportation, votre mauvais œuf devra avoir 22 points de vie. Et si vous avez utilisé un code Action Replay pour débloquer l'event du Roc Nombril, votre œuf devra avoir 255 points de vie. Et en tout cas, les points de vie restants, donc les points de vie actuels du Pokémon, seront supérieurs à 260 ou avec des points d'interrogation. Donc on va faire des combats jusqu'à trouver eh bien, ce Pokémon. Donc vous allez voir, nous allons envoyer en fait des mauvais œufs. Et nous allons devoir trouver le Pokémon que je viens de vous dire. Donc à chaque fois vous utilisez des Q-Skitty, sinon eh bien, vous allez être déclaré KO et vous allez devoir recommencer. Donc on va tout simplement essayer de trouver ce Pokémon. Vous avez une chance sur 32 d'avoir le bon Pokémon. Hein. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, donc là actuellement ce n'est pas bon. Hein. Il faut continuer à trouver d'autres Pokémon. Donc j'ai que 50 Q-Skitty. Donc si jamais vous arrivez à 0 Q-Skitty, bah vous resetez, vous recommencez. Hein. Tout simplement. Donc c'est parti. On va essayer de trouver. Donc là c'est pas bon par exemple. Donc on va toujours fuir et bah écoutez, on se retrouve dès que je trouve le Pokémon qu'il nous faut. Ah ! Eh ben ça y est, bon, je m'y attendais pas, mais ça y est, je l'ai eu. Donc comme vous pouvez le voir, le Pokémon est bien à 20 points de vie et il est empoisonné, ce qui est normal. Et vous avez un nombre eh bien, de points de vie restants. Enfin restants, oui, avec que des points d'interrogation ici. Donc sachez que ça peut prendre très longtemps. Mais dès que vous avez cet œuf, eh bien vous allez utiliser un rappel sur un de vos Pokémon. Tout simplement. Alors pas le Pokémon Glitch, mais le Pokémon encore en vie. Vous voyez ici le Pokémon qui faisait vol, eh bien tout simplement est devenu un mauvais œuf. Donc on va remettre à la vie, eh bien, l'Agron. Voilà. Et nous allons attendre. Parce que là, vous voyez, le Chlorure va tout simplement utiliser Gribouille, mais ça va échouer. Et le mauvais œuf va perdre, eh bien, des points de vie de poison, de brûlure et de poison grave. Et ceci peut prendre très, très longtemps, voire plus d'une heure. Ça dépend, eh bien, qu'est-ce que vous avez fait dans votre partie, tout simplement. Si vous avez visité plein d'endroits... vous avez fait pas mal d'événements du jeu, eh bien, tout ça va dépendre eh bien, vos événements. Donc, sur des cartouches, ça peut prendre pas longtemps, comme très longtemps. Donc, écoutez, eh bien, on se retrouve dès que le mauvais œuf a fini de perdre de la vie. Donc, là, j'ai utilisé l'accélération et en fait, l'œuf, il avait au moins... je sais pas, peut-être 65 000 points de vie, parce que c'était vraiment très long, même avec l'accélération. Donc, vraiment, si vous êtes sur console, vous pouvez poser votre console et regarder de temps en temps. Hein. Moi, quand je l'ai fait sur ma console, c'était extrêmement long également. Donc, et en plus, cette version, on a quasiment rien fait, hein, parce que c'est une version qu'on a fait en speedrun, donc on a vraiment rien fait. Et voilà, donc on a perdu nos points de vie, et dès que c'est fait, eh bien vous pouvez tout simplement utiliser une queue Skitty pour fuir. Voilà, dès que c'est fait, vous utilisez votre queue Skitty et vous regardez votre carte de dresseur. Voilà, si vous avez toujours eh bien, votre carte de dresseur améliorée comme ici, et en plus j'ai obtenu le symbole d'or, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas... c'est bon. Du coup, vous pouvez... Alors, malheureusement, si vous regardez votre équipe, vous voyez
que vous n'avez plus de Pokémon utilisant vol. Donc là, c'est un petit peu problématique. Donc on va tout simplement essayer de se suicider sur le Lagron. On n'a pas le choix en fait, puisqu'on ne peut plus partir d'ici. Ah si, on a encore surf. On a encore surf et cascade, donc c'est bon. On a encore surf et cascade. Donc notre Pokémon avec surf et cascade va nous permettre tout simplement de partir de ce lieu. Heureusement d'ailleurs. Il a cascade mon Pokémon. Ah non, il n'a pas cascade. Il n'a pas cascade. Le Lagron n'a pas cascade. C'est pour ça. Nos soucis. Nos soucis, c'est le Rayquaza qui avait cascade. Donc on va apprendre cascade au Lagron. Voilà. À la place de. Bon. Eh bien, je vais devoir me suicider vu que je ne peux pas apprendre cascade. Donc ouais, écoutez, bah, on revient dès que je suis mort. Hein. Voilà, donc j'ai plus de Pokémon en forme. J'ai réussi à me suicider. C'était un peu chiant. Mais j'ai utilisé Colorior. Je leur ai fait apprendre Éclatroc, etc. Bon, bref. J'ai réussi. On va pouvoir prendre un Pokémon avec vol. Et voilà, pour pouvoir simplement aller vérifier si nous avons accès aux îles événementielles. C'est un petit peu ce qu'on a envie, hein, simplement. Donc on va récupérer un petit Pokémon avec vol. On nettoiera l'équipe après. Le Pokémon Glitch, vous pouvez l'enlever de la première position. De toute façon, vous n'en avez plus besoin à partir de maintenant si vous avez débloqué les îles. Donc on va s'envoler avec Rayquaza. Un Nénucric, hein. On peut pas y aller avec poivre sel. Il faut aller à Nénucric, pardon. Et on va aller à l'embarcadère. Simplement voir si, eh bien, nous avons débloqué les îles événementielles grâce au glitch Grenat. En toute logique, oui. Pardon, est-ce que vous... Oh oui, je connais quelqu'un. Eh oui, voilà. Nous allons donc le marin et la vieille carte abîmée qui va nous permettre d'aller, eh bien, voir Mew, voilà. Le marin qui. Monsieur Marco qui va nous emmener, eh bien, à l'île lointaine. Voilà, donc là on est sur l'île lointaine. Là où il y a, eh bien, Mew. Donc, grâce, eh bien, en baissant les points de vie, en fait, du mauvais œuf, qui contient les adresses mémoire de l'île événementielle, nous avons pu, en fait, les débloquer. Et c'est pour ça qu'on a dû, eh bien, faire tous les prérequis que je vous ai indiqués. Donc voilà, Mew, hop, il est là normalement. Bon, parfait. Est-ce qu'il est génie? Incroyable. Non. Voilà, donc on va fuir. Si vous voulez le chasser sur Emerald, il faudra fuir, ressortir et re-rentrer à chaque fois pour le chasser sous sa forme chromatique. Ensuite, pour Deoxys, bah, il suffit de quitter cette île, hein. Vous pouvez y retourner quand vous voulez, hein. Donc ça, c'est l'avantage. Vous pouvez y retourner maintenant dès que vous voulez. Donc d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez sauvegarder. Hein. Dès que vous voyez que vous avez accès aux îles, vous pouvez sauvegarder votre partie. Vous pouvez être fier de vous. Donc c'est parfait. Donc vous pourrez parler aux marins pour pouvoir retourner à Nécric. Et vous allez voir que si vous leur parlez, il va vous dire le même message, enfin approximativement, pour l'île de Deoxys. Se passe. Voilà, il va vous envoyer tout simplement l'île Aurore, là où il n'y a absolument aucune musique, et là où vous avez Deoxys sauvage au niveau 30. Donc il suffit de faire le petit chemin pour le triangle. Voilà, moi je le connais par cœur vu que je l'ai déjà chassé, mais il n'est pas bien. Pas bien dur. Si jamais vous les chassez, bah vous avez à faire ça à chaque fois. Vous fuyez, vous sortez de l'île, vous re-rentrez, enfin vous rentrez dans l'embarcadère et vous ressortez, et vous recommencez le chemin à l'infini jusqu'à tomber, eh bien, sur Deoxys Shiny. Voilà. Et y aura aucun problème. Voilà. Et du coup, bah c'est terminé, hein. C'est terminé. Nous en avons terminé, eh bien, sur ce glitch, en tout cas, pour cette vidéo. Nous avons débloqué, eh bien, les deux îles événementielles. Voilà. Tout simplement, vous pouvez choisir ensuite l'île Aurore ou l'île Lointaine. Voilà. Du coup, bah, vous pouvez relâcher le Pokémon Glitch. Vous pouvez le mettre au PC ou le relâcher. Vous pouvez le mettre au PC en mode pour le souvenir, si vous voulez. Mais il ne vous est de plus d'aucune utilité.
Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Et voilà. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais dit comment, je vous dirais comment récupérer les poches B et CS si jamais, eh bien, vous les avez corrompues et que vous n'avez plus accès à vos poches B et CS. Eh bien, c'est très simple. En fait, il suffit avant. Alors, en fait, il y a deux manières. Soit vous avez conservé des CT ou des B, eh bien, dans vos PC, donc c'est-à-dire soit dans le PC pour les objets, soit sur vos Pokémon, et du coup vous pourrez récupérer la CT ou la baie, et du coup ce qui va vous permettre de récupérer l'accès, eh bien, à comment dire, votre PC, enfin vos poches baie et CS. Soit, eh bien, vous allez récupérer soit une baie dehors, soit une CT que vous n'avez pas encore obtenue, vous pouvez tout simplement en récupérer une via le casino. Et vous aurez de nouveau eh bien, vos poches B et CT. Donc bah, c'est plutôt parfait. Et moi je vais détruire ce mauvais œuf. Voilà. Et bien du coup, nous avons terminé pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, eh bien, nous allons apprendre comment déverrouiller l'île du Sud qui permet eh bien, de chasser donc, soit Latios, soit Latias. Donc ce sera plutôt impeccable. Et je pense qu'ensuite, nous verrons. Comment chasser via les œufs, donc chasser par exemple Jirachi, Emiou ou d'autres Pokémon par œuf. Et ce sera donc sur Rougefeu et Vercueil. Il faudra transférer le glitch sur Rougefeu et Vercueil. En tout cas, j'espère que cette vidéo eh bien, vous a plu, tout simplement, vous aura été utile. Et on se retrouve eh bien, la prochaine fois pour parler eh bien, de l'île du Sud. N'hésitez pas eh bien, à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un pouce bleu. Et puis nous, eh bien, écoutez, on se retrouve la prochaine fois. Des bisous tout le monde et bye bye!